Oh yo, la famille, taf, Xbet, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ah, chez moi, ça va très bien, moi, je vais pas très bien. Alors, aujourd'hui, je suis là pour une nouvelle vidéo car ça fait aujourd'hui presque 48 jours, je crois bien, que je ne fais pas de vidéo. Ah, aujourd'hui, je suis là pour reprendre là où je me suis arrêté. Voilà, en faisant une nouvelle vidéo sur Xbet, une faille Xbet que je viens de découvrir, que ça marche vraiment hyper bien. Aujourd'hui, avant de continuer, j'aimerais vous dire que j'ai créé mon propre code promo Xbet qui est TAF7. Voilà, donc mon code promo est TAF7. Voilà, il va arriver à un certain moment que vous serez vraiment obligé à vous inscrire avec ce code promo pour que voilà, les failles que je vous envoie passent vraiment facilement. Voilà, donc je ne vais pas rester à traîner là car je sais que la vidéo sera longue. Donc, si j'ajoute encore les détails du code promo, vraiment, on va pas sauter, on va pas quitter ici aujourd'hui. Donc là, je vais vous indiquer un peu la faille. Donc, pour faire la faille, tout d'abord, vous allez venir sur Play Store, vous allez avoir besoin de cette application-là, Flash Score. Voilà, pour ceux qui ont déjà ça, c'est déjà bon. Pour ceux qui n'ont pas ça, pour l'avoir, c'est très facile. Vous allez aller sur Play Store. Vous allez venir sur Play Store ou App Store, vous allez taper Flash Score. Flash Score. Voilà, c'est cette application-là. Non, excusez. Cette application-là. Celle-là. Flash Score. Comme j'ai déjà téléchargé, je me demande de faire la mise à jour. Voilà, je vais le faire très bientôt. Donc, une fois que vous avez cette application. Excusez. Voilà, une fois que vous avez cette application, vous allez venir sur Xbet. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous demande de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune autre de nos failles Xbet. Voilà. De façon vraiment facile et très rapide à comprendre. Voilà. Donc, pour ce faire, vous allez venir là, menu. C'est une faille de OK. Sur glace, donc vous allez venir ici paris sportif et vous allez cliquer sur OK sur glace. Bon, moi je vais cliquer en même temps 12 OK sur glace 24 NHL. Voilà, c'est le meilleur championnat. Donc, ici, je vais cliquer ici en même temps. Donc, où vous voyez que vraiment les cotes sont un peu faibles par rapport à l'autre, les cotes sont un peu faibles ici. La victoire de l'autre est un peu faible par rapport à l'autre. En descendant, vous mettez ça dans votre programme. Vous voyez aussi que ces personnes en marquent beaucoup, comme ici aussi. Voilà, ici, je sais qu'il marque beaucoup. Voilà, ces deux-là, il marque vraiment beaucoup. Donc, je vais mettre Poli. Donc, je vais prendre cette première rencontre-là. Carolina. Voilà. On vient d'en faire score. Ah, une fois dans faire score, vous allez cliquer ici, la case football. Vous allez chercher OK sur glace. OK sur glace. Et puis NHL. Donc c'est donné. Ça me dit case à minuit. Donc NHL. Ah, ouais, le match Carolina et Philadelphia. Donc ici, quand vous allez cliquer sur le match, vous allez venir ici, tête à tête. Ici, vous allez venir ici, tête à tête. Ce sont les rencontres entre les deux équipes. Donc, si vous allez venir, vous allez descendre tout en bas, les rencontres des deux équipes, seulement, uniquement, c'est ces deux rencontres-là qui vont montrer ici. Donc, vous allez cliquer sur ça, puis vous allez venir ici, statistiques, et vous allez venir cocher ici, première période ici, et vous regardez la totalité des tirs cadrés. Tirs au but, ça veut dire tirs cadrés. Donc, vous regardez la totalité ici, ça fait combien? Si je ne me trompe pas, ça fait 23. 23. Totalité, ça fait 23. Voilà, donc le match
précédent encore, vous regardez, des deux rencontres, des deux équipes, hein. Ah, vous revenez encore, première période, vous regardez, vous voyez que ça dépasse déjà, ça fait 25. Donc, une fois que ça dépasse déjà 17,50 dans les deux rencontres qui suivent, une fois que ça dépasse 17,50, vous venez dans cette rencontre, vous revenez sur Xbet, vous venez là, vous cliquez ici, tir cadré première période. Tir cadré première période. Une fois que ça dépasse 17,50, vous pouvez venir là, ici, vous prenez ça. Donc, je mets dans mon coupon, prenez ça, ça va rentrer. Donc, mon deuxième coupon match, c'est Olier. Ah, si, je sais qu'il marque beaucoup, ces deux équipes-là. Donc, quand il marque beaucoup, c'est bien plus facile à faire des petits cadres. Donc, voici ça ici, Olier. Il vient à tête. Et là, je descends tout en bas. Ils vont me montrer les rencontres des deux équipes uniquement. Donc, je viens là. Je viens dans statistiques. Je tape première période. Voilà, vous voyez ici, ça fait encore 23. Ça fait 23. Si le dessus, le second vaut 15 ou dépasse, le second vaut 15 ou dépasse, comment là, vous êtes. Il n'y a pas ça. On dirait qu'il y a longtemps. Oui, si tu sais moi. Ils ont marqué beaucoup de buts. Donc, c'est sûr que ça peut passer. Tête à tête. C'est ici que je suis. Donc, ils n'ont pas montré les statistiques du match. Moi, je suis sûr que ça peut rentrer. Donc, je viens là. Période, première période. Vous pouvez faire ça en. Comment dirais-je, en combiné de 3, maximum 3. En combiné maximum 3. Si c'est 19,50, vraiment, il m'a beaucoup. 19,50, c'est 23. Attendez, je vais voir quelque chose. Si là, tête à tête. Dernier match des deux équipes. Dernier match des deux équipes. Première période. Ici, ils ont fait 9. 9. Deux derniers matchs. 9. Ici encore, ils ont fait 11. Et l'autre, je vais voir. Si. Ça fait 13 plus 11, ça fait 24. 1 plus 9, même, ça passe, ça fait 22. Vous voyez que ça passe. Voilà, donc là encore, ça passe. Donc 19,50. Ça passe. Donc déjà j'ai une cote de 2,60. Ce sont les matchs de minuit 2,60. Voilà, voici le coupon du jour. Le coupon du jour comme ça, voilà, on peut l'envoyer sur le compte de là. Voilà. Donc là, moi je veux m'arrêter ici à deux équipes. Voilà, c'est déjà bon. Donc vous pouvez faire ça en pari simple. On peut ajouter une troisième équipe même si vous voulez. Mais moi, si j'allais parier, si je veux parier dessus, je vais parier, mais si je veux parier dessus, je vais enlever une équipe pour me limiter à deux équipes. Et je vais faire un autre code 2, un autre coupon de code 2,60 ou plus pour miser là-dessus. Là, si un pair, l'autre va rentrer. Je sais comment que ça va rentrer avec mes analyses, car moi, j'ai beaucoup fait avec ça. Mais c'est dans la semaine, cette semaine-là que j'ai commencé à jouer avec cette faille. Donc là, si je veux prendre ici, voilà, c'est ici que je veux prendre. Donc si je veux ajouter un troisième match, c'est ce match là que je vais ajouter. Donc je ressors, je vais calmement voir là, tête à tête, descend la rencontre des deux équipes, si statistiques, et voilà, ici ils ont fait 23 première période. 23. Voilà, avant-dernier match. Ici encore, ils ont fait 24. Donc, ça peut passer facilement. Donc, j'ajoute dessus, là-dessus. Ça fait 19,50. Ça peut passer. Code 4, tu as 1000 francs. Vous avez 500. Un 500, tu mets là-dessus. Tu as fait 4000 francs tranquillement. Donc,
C'était la faille du jour. Avant de partir, je vais vous montrer mon groupe Telegram. Là, voici mon groupe Telegram qui est là. Tito Bet et Penalty, FIFA Penalty. Ce sont mes deux groupes qui sont là. FIFA Penalty, voici ça, voici mon groupe. Voilà, et voici mon groupe de Paris Sportif Football. Ici, c'est FIFA Penalty. Donc, pour ceux qui veulent intégrer, passez dans la description. Le lien est déjà disponible dans la... ce que je suis passé dans la description, le lien y est. Donc, adhérer le groupe et on va essayer de gagner tous ensemble. Je sais qu'actuellement ils sont à l'école. Donc, à plus et rendez-vous à 14h pour le coupon.